Bonjour et bienvenue, nouvel épisode, on continue notre petite aventure. Ça rétrécit quand même les objectifs, je suis assez content. Je vais être franc, je suis assez content. Notre planète est assez rouge, mais on a des gros spots de protection, donc c'est cool. Je pense que c'est bien, je pense qu'on est, on est bien. Il y a quasiment toutes les bases Phoenix en fait, qui sont... C'est marrant là, il y a toujours ce spot là qui est... Toujours pas recouvert de brume. Je crois qu'on a quasiment toutes les bases Phoenix qui ont les repousseurs de brume. Quasiment toutes. Enfin, actifs. Hein. J'en ai construit partout, mais il y en a qui sont encore en train d'être construits. Donc ouais, ça c'est vraiment sympa. J'ai fait quelques recherches parce que j'ai un peu avancé. Enfin, honnêtement, j'ai fait quoi? La dernière fois, on avait fait quoi? On avait fait une mission d'histoire avec les purs, je crois. Donc j'ai pas encore fait la dernière structure. Comme j'ai dit, je vais essayer de la garder un peu aux alentours. On va voir un peu ce que ça peut donner. C'est à peu près tout. Il y a des recherches qui se sont finies. Donc il y a eu ça. Donc le SEM se traduit en ensemble d'informations, de données visuelles, thermiques et motrices à travers une palette de couleurs examinables par l'œil humain, à la fois ingénieux et élégant. Le module s'intègre facilement dans un casque et ne nécessite aucune source d'énergie externe. On a eu ça. On a technologie des armes acides. Utiliser cette technologie pourrait accélérer le recrutement. Quoi ? Ce n'est pas une approche très orthodoxe, mais l'expérience induite par les drogues semble faire abandonner à certains individus leurs approches dogmatiques pour adopter une perspective plus humaniste. Quoi ? Leur champ d'influence s'étendra au fil du temps, attirant et convertir à venant le refuge d'autres factions sous leurs influences. Voilà qui contrariera beaucoup d'autres factions, mais devrait également faire progresser les objectifs du culte. Ah, ok, d'accord, je vois. Leur recherche acide, en fait, ça marche. J'ai fait de la vivisection des vers de feu et des vers toxiques aussi. Honnêtement, 10% de dégâts en plus sur ça, c'est pas une... c'est pas vraiment très très utile. Quasiment toutes les armes peuvent limiter one shot. Excusez-moi. Du coup, on a le sanctificateur, pistolet caustique des disciples d'Anu. Donc, dégâts 10, acide 10, rafale 5. Donc, c'est un pistolet à rafale, donc il fait pas très mal, c'est pour ça. Mais il peut mettre de l'acide, donc ça fait 50 d'acide à chaque fois. C'est vraiment pas mal. Donc ouais, on a ça. Mais bon, honnêtement, j'en ai pas fait, je compte pas vraiment l'utiliser. Et après, on a donc le module de capteur multivisuel. Module de casque capteur multivisuel. Donc en gros, ça donne juste une vision nocturne. Je vais être franc, je suis assez déçu. Parce que le capteur de mouvement est nettement mieux en fait. Et nettement mieux parce que, bon, ça oui, c'est pour la perception et tout ça. Donc je suis d'accord que pendant la nuit, c'est chiant et tout. Mais détecteur de mouvement, ça permet de voir les en rouge. Hein, ça, on l'a fait déjà plusieurs fois. On peut les voir à travers les parois. Si on est collé à une paroi et genre il y a un mur, on peut savoir s'il y a quelqu'un de l'autre côté. Alors déjà de 1, ça c'est bien. Et de 2, des fois, même s'ils sont dans la brume ou genre on les a pas aperçus, même pendant la nuit par exemple, on peut voir, quand ils sont assez proches, on peut voir un effet rouge, rougeâtre. On a même tiré des fois. Genre on voyait pas la cible, mais on a quand même tiré et tout, et on a tué la personne. Donc ouais, non, le détecteur de mouvement, je vois pas pourquoi on mettrait pas le détecteur de mouvement, quoi. À moins que ça, ils nous le disent pas, et que ça fasse détecteur de mouvement aussi, mais c'est pas une upgrade, hein. C'est pas vraiment une upgrade pour moi, hein, je trouve. Donc voilà, donc on va rester avec le détecteur de mouvement. J'étais super, super déçu de ça, parce qu'en plus ça durait une journée et quelques, je crois, pour faire la recherche de Cinédrion, là. Ah, donc méga déçu. Méga, méga déçu. En tout cas, j'ai fait des modifications, ça y est. Rosa est passée électrique. Donc, Rosa, elle a maintenant ça. Donc, elle a 40 d'armure sur les jambes avec de la précision en plus. Elle est immunisée contre la gelée et elle absorbe les chocs à l'atterrissage. J'ai envie de dire, si le bon... propulsé était mieux. Faut que je le teste, le bon propulsé, moi-même. Faut que je fasse des tests. Parce que j'ai vu des vidéos, mais ils font pas vraiment les tests que je veux faire, moi. Donc, faudrait que je teste. Mais c'est vrai que ça serait classe d'avoir ça. Mais bon, pour l'instant, je lui ai mis ça.
C'est déjà très cher, hein. C'est méga cher encore une fois, hein. Donc c'est pas la joie. C'est pas vraiment les trucs qu'on peut interchanger quand on veut. Après j'ai mis tête de clarté, donc comme ça, parce que elle, vu qu'on la balance, c'est ça le truc aussi. C'est que elle, on la balance avec le jetpack un peu solo. Genre combien de fois elle est allée, genre activer un objectif très loin. Pendant que les autres, genre le reste de l'équipe, genre prenait un véhicule par exemple, vous voyez? Et le pire, ce qui peut lui arriver en fait, c'est qu'elle soit bloquée par les ennemis, mais bon, après elle est résistante et tout, donc ça va, elle va pas se faire one shot quoi. Mais le pire, c'est le contrôle mental. Genre s'il y a une sirène qui passe ou s'il y a une petite bestiole là qui se met sur sa tête, c'est fini quoi, on perd le personnage quoi. Après il faut aller le récupérer et tout, et c'est une catastrophe. Donc du coup il fallait absolument lui mettre la résistance au contrôle mental, honnêtement. Je vois que ça. Après j'avoue que j'ai comme encore une fois, hein, j'ai un faible pour cette tête là, la perturbatrice, parce que déjà elle est stylée, honnêtement, je la trouve super stylée. Je pense que c'est la plus stylée. Enfin pour moi, c'est la plus jolie, c'est la plus stylée. Et j'aime beaucoup la perturbation neurale, il faut vraiment que j'ai des persos avec pour que je teste. Mais ça, c'est obligé pour elle. Elle, on peut pas faire autrement. Encore une fois, j'aurais vraiment voulu pouvoir lui mettre le torse destructeur parce que c'est trop stylé, c'est trop classe de pouvoir passer à travers les murs et déployer un bouclier quand on veut. Et puis 45 d'armure, c'est énormissime. J'aurais vraiment voulu lui mettre ça, mais après, ça va trop me bloquer partout en fait. Déjà qu'elle est pas très bonne en vitesse. En déplacement, même qu'elle soit assaut avec courir et tout ça, elle est pas très très bonne en déplacement. Je suis en train d'un peu d'augmenter la vitesse. Je vais essayer de lui mettre la vitesse à fond à elle. Et du coup, si on lui enlève le jetpack en plus, laisse tomber quoi. Ce sera la catastrophe. Donc ouais, on peut pas lui mettre le torse. On peut pas du tout lui mettre le torse. Donc on reste avec ça. Et j'ai mis tout en blanc, donc c'est stylé, c'est classe. Donc voilà. Mais ouais, c'est un peu triste. À la limite, les torses, faudrait les mettre sur les assauts, les torses lourds, peut-être. Je dirais. Bon, Garcia, il a toujours ça. Alexander, j'ai pas touché. Adèle, j'ai pas touché. Adèle, je dirais pas non de lui mettre ce torse-là, en fait. Parce que comme ça, elle serait super résistante. Mais le problème, c'est qu'après, on peut plus lui mettre le laser, par exemple. Donc en gros, il faudrait lui mettre ce torse-là, en fait. Et bon, après, gros bras pour elle, c'est pas extrêmement utile parce que gros bras, elle transporte pas énormément. Bon, elle a déjà 20 de puissance de toute façon, mais elle transporte pas énormément non plus. Elle a déjà un lance-flamme et un fusil d'assaut, et puis ça marche très bien comme ça. Donc, encore une fois, le torse, c'est pas super pratique dans ce cas-là. C'est un peu étrange, hein, le torse. Hein. Le fait de pas pouvoir mettre des greffes, ça bloque pas mal de choses, je trouve. Ça bloque pas mal de choses. Donc, elle, bah, du coup, il faudrait. Éventuellement, je pense qu'elle, elle va passer en tête perturbatrice avec. Alors, les jambes à propulsion, je pense pas que ça soit très utile pour elle parce que elle a déjà courir. Le bon propulsé, je pense pas que ça soit vraiment très utile. Après, la vitesse 3, ça m'intéresse, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est vachement bien. Mais ouais, peut-être ça à la limite avec la tête perturbatrice. Je dirais. Bon, après, elle perd en vitesse quand même. Mais bon, immunité contre la gelée. Ouais, elle perdrait quand même pas mal en vitesse. Donc faudrait les deuxièmes jambes quand même, hein, l'idéal. Parce que je veux bien qu'on la rende résistante et tout, elle, mais bon, elle a déjà 19 de vitesse. Alexander, il est à 21. Ah, ils sont tous au max maintenant. 20. Non, elle est pas. Ah bah tiens, elle a 20 points. Boing. Voilà, max. Donc ouais. Bon, ça va, après, ils n'ont pas beaucoup de différence en vitesse, donc elle peut perdre à la limite encore un point. Voilà, ça va quoi. Rosa, elle est que à 15. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça y est, mes snipers, ils sont modifiés au maximum. Alors, j'ai fait des tests, j'ai fait un. C'est pas un nid, c'est pas une citadelle, c'est entre les deux, je sais plus. Merde. Un terrier là, pas un terrier, mais j'ai fait ça. Parce que normalement, je faisais tout le temps avec la deuxième équipe, l'équipe Bravo. Puis voilà, enfin, l'équipe Bravo, elle peut pas vraiment trop contrôler le champ de bataille, donc capturer des gens, c'est chiant. Là, j'ai envoyé l'équipe Alpha, du coup, donc eux, ils ont bon sniper qui paralysait tout ça. Ils sont ultra équipés, les mecs. Et j'ai testé, donc j'ai fait la mutation celle-là,
Donc mutation de jambes furtives, donc 30% de furtivité en plus. Donc on avait déjà 10 avec l'équipement, donc maintenant on a eu un plus 20. Donc ils sont à 50% de furtivité. Et j'avoue que je vois la différence quand même. Enfin, je pense que surtout c'est l'écho silencieux hein, qui fait vraiment beaucoup de différence. Mais je me suis dit, tiens, autant y aller à fond et mettre tout en genre en sniper vraiment infiltré. Donc furtivité 50 avec écho silencieux et... Lui, il aura bientôt, Nicolas, il pourra avoir ça aussi, donc 25% de plus encore. J'avoue que ça fait une différence. Les mecs, j'ai même pas besoin, limite, de les mettre derrière un mur et tout ça. Ils tirent à découvert, alors que les ennemis, ils sont pas loin quand même. Hein. Ils sont vraiment pas loin. Et bah, ils sont quand même dissimulés. Ils restent dissimulés. Donc, ouais, j'avoue que c'est quand même vachement, vachement bien. Donc, ouais. Donc, voilà, ils sont full mutés maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, il y a Mohamed que j'ai changé parce que on veut le faire genre précision, canon de précision, comme j'avais expliqué. Du coup, je lui ai mis ça parce que ça fait précision plus 12 et c'est une armure lourde aussi. Donc, c'est parfait pour lui. Donc voilà, il faudra que je le teste. Hein, j'ai toujours pas testé vraiment depuis les modifications là. Mais ouais, faudra qu'on teste. Il est dans l'équipe Bravo, de toute façon, on fera des tests. Donc, ouais, les mutations deviennent... j'avoue, maintenant que je peux voir les trois types de mutations et les trois types d'augmentation, j'y vais un peu plus franco. Même les snipers là, qu'on a, qui sont infiltrés, je pense peut-être leur mettre déjà les jambes pour qu'ils aient infiltration, genre plus 30%. Donc, ouais. Voilà, voilà. Donc c'est ce que j'ai changé pour le moment. On n'a plus trop de... Bah ouais, on n'a plus de gens en fait. On n'a plus de nouvelles personnes en fait. Ils sont tous niveau 7 maintenant. Mais bon, j'ai pas beaucoup de vivres. Dans tous les cas, donc c'est un peu... Donc eux, ils sont là. Nous, on va faire ça. On va faire guider par des rumeurs. Il reste 3 jours. Le reste bouge pas trop en fait en ce moment. Le reste bouge pas trop. Il faudrait que je fasse du troc, mais j'ai pas énormément de choses à troquer. Faut que je vois si je peux faire petit à petit, genre je vends, je sais pas, genre ça pour des pommes, puis après je revends les pommes pour ça, puis après ça pour ça. Enfin, faut que je vois. Je crois qu'il y a une chaîne à suivre, mais on gagne pas énormément à faire ça. Genre par exemple là c'est 2 à 12. Alors après avec les pommes il me faudrait pareil. Je sais pas trop. Non, je sais pas trop comment on pourrait faire. Genre, récupérer beaucoup de pommes, c'est possible, mais après, qu'est-ce que j'en fais de mes pommes? Mais je pense qu'il y a une chaîne à suivre, hein, qu'on peut faire du troc constamment et gagner un peu de ressources petit à petit. Je crois que c'est possible. 4-6. Je crois qu'il y a 4-5, le mieux. Mais enfin... après, j'ai quand même encore beaucoup de réserves d'équipement. Hein. Je peux détruire pas mal de choses. On est passé à 53 en confinement. Donc, comme j'ai dit, j'avais fait une mission. Là, j'ai capturé pas mal de choses. Donc, on a un nouveau triton. On a une nouvelle sirène. Un artron. Chiron. Et... Ah oui, j'ai réussi à capturer. Il y avait deux chirons, en fait, dans la mission. Du coup, en fait, ma première équipe, elle restait... Enfin, l'équipe alpha, là, genre, j'avais tout le cœur de l'équipe avec les snipers et tout ça. Genre, en début de partie, tout le monde venait. Donc, on a paralysé plein de choses à la fois. Et puis, après, il y a une personne qui allait détruire le truc qui fait éclore les œufs, là. L'éclosion, là. Donc, c'était assez drôle. Donc, du coup, j'avais deux chirons. Donc, j'ai récupéré celui-là. Donc, celui-là, c'est celui qui fait la gelée. Donc du coup, on peut faire ça maintenant. Le repousseur de gelée. Une analyse de la gelée pandorienne a révélé des méthodes pour contrer des propriétés adhésives. Nous pouvons développer des substances à utiliser dans la fabrication de vêtements, de l'équipement. Cette avancée augmenterait la mobilité des troupes, leur permettant d'avancer sur un terrain infesté de gelée sans être ralenti. Donc ça, c'est top. Ça, c'est une chose qu'on aurait dû faire honnêtement au début. Enfin, plutôt. Mais bon, il faut capturer un truc de gelée, quoi. C'est pas... On n'en voit pas tout le temps et puis c'est un peu compliqué à les attraper. Après, j'ai fait la vivisection de la Scylla, je crois.
Je l'ai pas fait. Non, elle est après. Et après, il faudrait que je fasse un peu les trucs d'histoire pour voir un peu comment ça se débloque. Mais voilà, repousser la gelée, on va avoir ça. En tout cas, on avance. Alors, je bois un petit coup. Alors, les purs. Mais en plus, c'est une mission de purs, c'est marrant. Les purs ont clairement l'intention d'attaquer un centre de recherche de Synédrion dans le but d'améliorer encore la capacité de leur soldat bionique. S'ils réussissent, la menace des purs augmentera considérablement. Nous devrions attaquer le centre au plus vite et obtenir ces recherches nous-mêmes. Il est possible que nous devrions affronter les forces du Synédrion et des purs. C'est complètement con cette histoire. Cette mission. C'est complètement con. Je vois pas pourquoi on fait ça. Genre, on peut peut-être genre juste parler avec Synédrion et dire hé, hey, il y a les purs qui arrivent, vous voulez de l'aide? Voilà. Voilà, voilà. C'est pas compliqué des fois, hein. C'est pas très très compliqué, hein. La diplomatie. Hein. Genre, on a un ennemi en commun, ils arrivent et ils viennent vous casser la gueule. On peut vous aider, voilà. Vous voulez qu'on fasse équipe? Ah oui, il y a Garcia qui a pris cher la dernière fois. Je l'ai extrait parce que j'ai pas eu le temps de le soigner. Un peu débile, hein, leur... Genre, on a un ennemi, l'ennemi d'un ami, il va prendre des recherches. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va taper l'ami pour prendre des recherches nous-mêmes, d'accord. Ok, ça c'est la logique Phoenix, ça c'est bien ça. La bonne logique imparable de Phoenix. Alors, on a des purs. Ça va sûrement être la dernière fois qu'on les combat. Voilà, ça, ils sont niveau 2. Et on a Synédrion aussi. Je vois vraiment pas pourquoi on combat Synédrion. En plus, ils sont niveau 7, eux. Je vois vraiment pas pourquoi on combat Synédrion. C'est débile complet, quoi. Attention, frénésie. Ça, c'est fait. Faut que je soigne mon copain. Il a pris cher, hein, la dernière mission. Après, c'est vrai, de l'avoir un peu abîmé, ça augmente les dégâts. Mais bon, on va peut-être pas exagérer non plus. Alors... Ok. Je crois qu'on va devoir tuer le Synédrion. Ah, vous avez vu que maintenant, elle a un aura. Parce qu'elle peut pas être contrôlée mentalement. Donc, elle a une sorte d'aura, Rosa. Here. On n'entendra plus sa voix, par contre. Can't wait. Ouais. Here. Ouais, c'est triste. C'est triste. Il y a plein de gens, on les entendra plus parler. Plus jamais. Très bien. Désolé, hein, mais bon. Le problème, c'est que t'es à côté de nous, quoi. C'est tout simplement ça, le problème. C'est que t'es tout simplement à côté de nous. Toi, par contre, t'as une mauvaise vue sur tout. C'est un Synédrion, ça. Okay. Ça marche. On va essayer un peu de les aider. Ouais, t'as pas une belle vue. Hein.
m'étonnerait. Voilà. Ça m'aurait étonné aussi. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On met des tourelles et on attend qu'ils viennent tous? Je sais pas trop. T'es toujours confiné, c'est bien. On va voir un peu comment ils vont combattre. Je voudrais pas tuer tout le monde. Moving to coordinates. Enfin, oui, enfin, si, on va devoir tuer tout le monde, mais. Je voudrais pas avoir à faire trop de boulot si je peux éviter. On va se mettre là, c'est pas mal. Ça. Ok. Il était un peu mal placé en fait, le sniper. Il avait une trop belle vue sur nous. Sûrement la dernière fois qu'on voit des purs. Ah, c'est des EMP ça. Ouais. Reverse solidarity. Marrant ça. La solidarité inversée. Pas mal celle-là. Ça, c'était un infiltré, il a une arbalète de poison. Là, je crois que t'es en train de tout louper, non? Ok. Mouais. Ah. C'est une de mes araignées, ça, moi. Empoisonné? Pardon? C'est des robots. Tu m'expliques comment tu les empoisonnes? C'est pas un bug ça? Très bizarre. Waouh. C'était un tir direct en plus, c'est chelou. Ah, c'est peut-être les nouveaux explosifs, peut-être. Parce que les lance-roquettes, j'ai pas recherché ça. J'aimerais bien voir le torse avec le bouclier, serait trop classe.
Ce serait marrant d'avoir des équipes complètes de robots. Ce serait sympa. Enfin, après, on peut pas faire trois parties, hein, mais bon, genre à la limite. Hein. Oh, tu peux le faire plusieurs fois par tour. Oh, ça tue. Ouah, ça tue ce truc. Bon, je sens qu'on va envoyer Garcia. Si à un moment Garcia il a l'opportunité, on va l'envoyer. Ah, je crois qu'il vient de faire le saut. Non, mais en plus vous avez des lasers, les mecs, ça marche pas quoi. Il faut du Ghost ou alors quelque chose qui ignore la défense ou des snipers. Et encore, les snipers laser, ça fait pas beaucoup de dégâts sur eux. Non, il faut absolument des Ghosts. Putain, t'as encore envie? Alors. Synédrion nous fait un peu chier. On est bloqué par des snipers en fait. Ça marche bien, hein, le fait de pas faire de bruit. Hein. Je suis surpris quand même. Je suis agréablement surpris. Faudrait qu'on tue. Il est où le sniper à droite? Ou il y avait que lui? Il y avait pas un sniper ici? Ah non, c'est dans ce bâtiment en fait. Pas trop de choix. Merde, mais on est où là? Je me suis perdu. On va faire un peu avancer notre équipe, genre les assauts et Rosa. Comme ça, on va pouvoir lui donner des points si jamais il a besoin de points. Mais je crois qu'on va commencer à le défoncer. Je comprends pas pourquoi tout est empoisonné. Hein. T'es complètement robotique. On est vraiment à des endroits de merde par contre quand même. On va avancer avec les araignées. Je crois qu'il n'y a que Alexander qui va rester purement humain.
Adèle aussi, elle va passer par. Elle va passer par la robotique. Here comes the Phoenix. J'ai bien envie d'abîmer celui-là en fait. Parce que t'es un peu inutile là. Toi c'est bête si on a déjà deux parties, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir, genre des jambes augmentées pour qu'elle court plus vite, ou alors quelqu'un qui fasse frénésie en plus, mais ah, j'avoue que c'est pas ça. Ok. Les cinédrions sont plus haut niveau, mais il y en a beaucoup moins que des purs, donc un peu la galère. Attends, t'es en train de tirer avec du paralysie? Oh la vache. Putain, mes cinédrions quoi. Chaud quand même. Hein. Ah, avec vos équipements, hein. Je crois que cinédrion est le moins puissant en termes de combat. Il y a ceux qui font, il faut faire attention, c'est les infiltrés, parce qu'avec leurs arbalètes qui peuvent empoisonner, ça peut être dangereux. Surtout qu'ils peuvent tirer 3 fois d'affilée. Le chargeur est de 3. Donc ils peuvent tirer 3 fois d'affilée, ça fait super mal avec le poison, ça oui. Mais après, bon, il y a les snipers laser. Mais bon, si vous avez de l'armure, ça réduit un peu les dégâts. Enfin, non, les lasers ils font pas très mal de base de toute façon. Les plus difficiles, je dirais, c'est Jericho. Quoi, le poison, ça fonctionne? Ça a pas de sens? Enfin bref. Ouais, je dirais que le plus difficile, c'est Jericho. Surtout en début de partie, ils sont très puissants. Avec les gosses là, ils font très très mal. Genre un tir, ça fait 40, genre le fusil d'assaut. Et ça... Deux de déchiquetage, c'est énorme. Ouais, je pense qu'on peut lancer Garcia. Il y a un grand gap en fait entre le combat ici et nous. Il y a lui qui peut-être... C'est pour ça que je voudrais avancer les assauts pour donner des points. Ah, j'ai testé Sniper avec l'attaque spéciale là, de Rosa. Vous savez, où elle tire 5 fois. Ça marche bien. Elle tire en cône, comme d'hab. Mais sur les grosses bestioles, ça marche bien. Donc ça va nous être utile pour capturer des Scylla encore.
Après, est-ce qu'on aurait pu faire ça, genre sans avoir l'habilité de Rosa, là, genre la maîtrise des snipers? Ouais, on aurait pu le faire aussi. Mais bon, vu qu'elle fait de la volonté en moins quand elle tire en sniper. Enfin, je... Pas qu'il fasse ça sur Garcia par contre. Oh non, espèce d'enfoiré. Je peux pas bouger ma caméra, je sais même pas sur quoi il tirait. Je crois qu'il s'est potentiellement loupé en fait. Ah, c'est ça le jump là. Avec les jambes. Mais je sais pas si ça permet du coup d'aller sur, sur un toit. Je dirais que non. C'est l'heure de lâcher la bête. Je crois que c'est l'heure de lâcher la bête. J'ai bien envie de... Il faudrait avoir son torse en fait. J'avoue que lui faire un peu des dégâts, ça aiderait hein. Mais bon, fais voir un peu les dégâts que tu fais avec ta masse. On est à 205. Ah, s'il y en a que tu vas pas one shot en fait. Non, mais ça devrait aller. C'est parti. C'est l'heure de relâcher la bête. Est-ce que je peux... ouais, merde, Ah, tu m'as bloqué mes pouvoirs, ça. Je vais voir si la tour... On a lâché une autre tourelle ou pas? Non, non, non. Ok, c'est parti. Encore, nous, on a la version difficile hein, de ce build, hein, comme j'ai dit. Hein. On a vraiment la version difficile du build. Dans le sens où on va pas pouvoir genre dasher très loin et tout ça.
Après, oui, il faut lui faire des dégâts pour que... Faudrait trouver un moyen plus safe de se faire des dégâts. Enfin, attends, je vais me mettre là. Comme ça, je suis à côté. ouais, pour que on augmente la férocité là. Ok, il reste plus. On va faire ces deux là. J'avais un peu peur de rester bloqué sur la gauche, donc c'est pour ça que je suis parti là. Et ouais, tout le monde en prend pour son compte. Tout le monde. Ah, ils m'ont tous bloqué en plus. Je peux même pas l'aider en fait. Si je me mets là, il va sûrement pas le tuer. Est-ce qu'on peut aider genre avec les snipers? Je pense que ça passe. Très bien. Très bien, très bien. Je crois que Garcia a fait le vide. Virus, c'est quoi? C'est la moitié ou il est immunisé au virus? T'es même pas immunisé au virus en fait. Ah si, c'est la moitié. Oui, oui, tout ce qui est mécanique, c'est la moitié. Bon ben voilà. Like the wind. Failed to connect there. J'ai vu ça. I'm ready. J'ai vu ça. Moving fast. Rosa, c'était toujours son rêve de devenir un robot. Ça a toujours été son rêve. De devenir mécanique. À la base, elle voulait être une voiture. Mais du coup, elle est devenue un demi-robot, un cyborg. Bon, ben voilà. Ah, il y a encore du Synédrion. Ouais. Ah, les infiltrés. Ils doivent encore en rester là. Ça va, la bête a fait le ménage. Ouais, et nous on est quand même limité, hein. On peut pas vraiment faire ce burst en fait tout le temps, parce que ça dépend en fait beaucoup sur combien d'ennemis il tue. Parce que ça c'est 5, ça c'est 5 aussi, donc il faut au moins 10 de volonté. Donc à chaque fois il récupère quoi? C'est 2 points je crois, par kill. Donc du coup il faut quand même tuer pas mal de cibles, faut au moins en tuer 5 du coup. Parce que 5 et 5, 10, lol. Et si vous faites la version Terminator, là, comme j'arrête pas de parler, vous avez besoin que de liquidation rapide, du coup.
Et vous pouvez même faire la course quand on est à saut. Vous pouvez même faire la course en fait, parce qu'on n'est pas, nous on est bloqué pour la course, mais eux non. Donc ouais, c'est bien bien pété. Hein. C'est bien pété. Il me faudra un coup de frénésie. Je sais pas si je vais toucher des gens, on va voir. Donc ouais, c'est extrêmement pété. Puis là, nous, on n'a pas... genre le corps, par exemple, il sert à rien, en théorie. Il est... Bon, il donne de la vitesse et tout. Mais ouais, il est bien pour différentes choses. Genre, si vraiment il y a du gros truc, on peut mettre du poison s'il faut, si on veut. Mais avec tous les types d'armes... Honnêtement, je préfère taper et mettre du virus. Enfin, quoi qu'au bout d'un moment... Enfin, si on a virus et on a saignement. À moins qu'il y ait quelque chose qui soit complètement immunisé au saignement et au virus... Et genre, je sais pas, on n'arrive pas à le taper, ou il n'y a pas de place pour taper, on peut faire poison à la place. Mais bon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein, dans le sens où on n'est pas optimisé. Il n'y a que la tête. La tête est superbe pour éviter d'être étourdi. Ça, c'est top, ça c'est vraiment top. No time to lose. Bon, il est où le... Saloperie là. Pushing on. Engaging. Ah, là il est là. Wow, il y en a deux. Ok. Bien joué. Bien joué. Can't wait. Bien joué. Preparing to fire. Ils ont beaucoup de vie, tu vas pas pouvoir les tuer. Ok, on va te mettre à l'abri. Moving. Badaboum. Un truc bête, c'est que l'aura là qu'elle a autour d'elle, au niveau de ses jambes, c'est plat en fait. Genre ça sort du sol quoi. Mais ils auraient dû faire une sorte que ça soit arrondi en dessous de ses jambes. Comme ça quand elle vole, ça fait mieux. Ça c'est un truc qu'ils auraient dû faire. Très bien. On peut balancer une grenade ou pas? On peut. On va peut-être pas le faire, c'est pas nécessaire, je crois. Je crois que c'est pas nécessaire. Pushing on. No time to lose. On va la soigner.
Bah, le reste peuvent pas faire grand chose. Non, y a plus de pur. Ils ont leur pistolet pour paralyser. Je sais pas boire apparemment. Ok, cool. y a aussi le coup des infiltrés que eux ils sont. Ils peuvent se dissimuler très facilement. Genre là on a déjà perdu la vue. Je voudrais bien tester un jour. Genre un pur infiltré. Voir si c'est vraiment bien. Très bien. Toc toc. Here. Let's give it all we've got. Vas-y qu'on rigole un peu. Ah, l'équipe alpha, c'est pas de la merde. L'équipe alpha, c'est pas de la merde. Hein. Ils sont bien entraînés, les mecs. Hein. Attention, on rigole pas. On rigole pas. Bon, Synédrion, ils vont pas apprécier, mais bon. Enfin, je pense. Je me demande si on va récupérer quelque chose de ça, d'avoir fait ça ou pas. Genre ils disent de récupérer une technologie. Oh ça va, moins 6. Alors la récupération réussie des données de recherche a ralenti la progression des purs, mais a également nui aux relations entre le projet Phoenix et les Synédrions. Par ailleurs, nous avons reçu une communication officielle de la part de Tobias West suggérant qu'il serait dans notre intérêt de partager la connaissance récemment obtenue. Oui, alors Tobias, tu vas te calmer. Je pense pas qu'on ait de nouvelles recherches. Je pense que la dernière recherche, oui, en fait, on l'a fait dans le désordre. Ce qui s'est passé, c'est que nous, vu qu'on est en très bon terme avec Synédrion, ils nous ont filé la recherche des cybernétiques, en fait. Pas d'autres brumes. Ça. La technologie bionique confidentielle. En fait, ils nous ont donné ça en avance. Mais en gros, on aurait dû, je pense, la récupérer en fait après cette mission. C'est ça, la technologie bionique confidentielle, c'est ça. Et du coup, après, les purs et le sujet, la 24, là, est pas content en disant que ah, vous croyez malin, vous croyez nous battre à notre propre jeu. Là, ça a plus de sens, en fait. Dans ce sens-là, vous voyez. Nous, on l'a fait dans le désordre parce que voilà, on était en avance sur la diplomatie. Enfin, on avait une très bonne diplomatie, du coup, on a récupéré ça. Mais en fait, vous êtes censé le faire dans le sens inverse. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a une cinématique quand on finit ça, en fait, quand on finit cette recherche. Donc ouais, ça c'était la petite histoire, je pense. Bon, bah c'est très bien. Nous on va voir le repousseur de gelée, on va en faire plusieurs parce que les jambes en fait on a rien pour le moment sur beaucoup de gens. Donc si on arrive à faire ça, ça va être vraiment cool. Bon, il y a les snipers qui vont être toujours bloqués, mais c'est pas trop grave. Mais tout le reste ils pourront bouger, ça c'est cool. Et ben là, ça c'est où ça? Cybernétique donnée, retrouver des plans, des nouveaux implants cybernétiques dans le labo de la nouvelle Jéricho. On peut faire ça. Je pense que ça donnera des ressources. Je pense que Team Alpha va faire ça maintenant. Là, on a quoi? S'élever par péché et tomber par vertu. Je vais d'abord faire ça parce que ça, je crois que ça va être une récompense de ressources. Donc, du coup, on fera ça. Et après, on va commencer donc. Le reste des DLC, genre ça par exemple, une urgence inattendue. Une urgence inattendue, ça fait quelques mois en fait que c'est comme ça.
Mais voilà, mais je sais que ça, alors ça débloque des nouvelles mécaniques et tout ça, mais ça débloque aussi des nouvelles créatures qui sont on va dire qu'ils sont très difficiles. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Ouais, faut dire que c'est un peu compliqué. J'avoue que le jeu Vanilla est nettement plus simple que les créatures de DLC, quand les créatures de DLC sont rajoutées. Alors nous, on va bien sûr avoir les variantes extrêmement élevées hein, dès le début, hein, parce que nous, on est très avancé dans le jeu. Mais on va passer un meilleur moment. Hein, parce que, bon, après, il ne faut pas exagérer du tout. Je ne vais pas tout activer en même temps, alors qu'on est en légende. Hein. Je suis pas suicidaire. Par contre, je veux juste voilà, faire ça. Alors, concevoir une technologie qui repousse la gelée n'a pas été tâche facile après des essais séquentiels de plus de 17 000 matériaux minéraux et organiques. Il est devenu évident qu'une nouvelle approche était nécessaire. La réaction de la bactérie Colbacter crescentus à l'oxygène a présenté la solution. Équipé de deux capsules d'oxygène, le module repousseur de gelée est fixé à la jambe de l'équipement de combat d'un soldat et peut pulvériser une concentration élevée de notre mélange oxygéné pour tuer assez de bactéries pour permettre d'avancer à travers les zones couvertes. Cool. Ah, j'aurais bien voulu que ça mette vitesse genre plus, hein, ça serait cool. Ça c'est top, ça il en faut ça. Ouais, ça il en faut absolument. Je dirais 5. 5 ça, sur 8. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont déjà des jambes modifiées. Toi, t'as déjà l'immunité à la gelée. Toi, il la faut. Donc 1, 2, 3, 4. 5, eux ils peuvent pas. Ouais, donc 5 c'est très bien. Bah 5 c'est très bien, mais je suis content. Recherche, on va faire la vivisection. Ah oui, les armes de contact avancées, je voudrais voir ce que c'est. Parce que je sais pas du tout ce que c'est en fait. Je veux voir ça. C'est des armes avancées Phoenix en plus. C'est pour Phoenix. Enfin, ça vient de Phoenix, donc ça c'est intéressant. Armement viraux avancé. Ah oui, il y a ça aussi. Ah, c'est peut-être les snipers viraux. Hein, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs un peu endgame là, à débloquer. Donc je suis assez content. Technologie de déchiquetage aussi. Ça vient de Anu. Donc ça peut être intéressant. Infection virale pandorienne. Il faut que je récupère un truc qui fait des sirènes la plupart du temps. Du virus pour faire ça. Je sais pas ce que c'est ça. Technologie de l'acide avancé. Fusil à pompe. Slam Strike est disponible à production. Les grenades chimères. Ah oui, non, mais ça c'est de la rétro-ingénierie. J'ai regardé ça, c'est stylé. Le broc là, j'ai regardé, mais après les stats, c'est pas... Honnêtement, on a les meilleures armes du jeu. Si on joue comme ça, là, de sortir et rentrer là, dans les combats, ça, c'est le meilleur truc qui peut exister. Ça détruit tout, parce que ça fait du dégât de déchiquetage. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est rapide, et c'est une très longue portée. Donc, il n'y a pas mieux. Honnêtement, il n'y a pas mieux. Bon, après, dans un sens, c'est bien, parce que ça rend le truc un peu plus simple. Le combat aérien un peu plus simple. Mais ouais. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. La prochaine fois, ce sera sûrement ça, du coup, cette mission-là. Et après, on enchaînera sur des missions de DLC. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.